Bonjour à tous, chers anciens, chers peut-être bientôt, chers tous. Je m'appelle Marouchka et j'ai été membre de Philanthropos. J'ai fait Philanthropos dans la promo 15, c'est-à-dire l'année 2018-2019. Et j'habite toujours au foyer à côté de Philanthropos. Je viens de Suisse, ce qui est une denrée très rare pour Philanthropos. Et finalement, ce que je retiens de Philanthropos, ce sera d'abord une redécouverte, celle de la fraternité. Puisque justement, dans mon année, on était juste très peu de Suisses, nous étions quatre. Et il y avait une grande majorité de Français, mais aussi deux Canadiens, un Anglais. Et cette année m'a permis vraiment de découvrir les autres. Parce que finalement, même celui avec lequel on n'aurait pas, disons, d'atomes crochus dans la vie de tous les jours, et bien à Philanthropos, comme c'est un an, on prend le temps de découvrir ces personnes-là. Et finalement, on saisit que même ben, justement dans celui avec qui on ne penserait pas d'abord qu'il y a quelque chose qui nous lie, et bien déjà, pour la plupart, il y avait la foi et l'envie d'avancer de la façon la plus juste possible et dans un chemin de vérité. Et au-delà de ça, bah on se rend compte que, comme une fratrie, en fait, à Philanthropos, on ne choisit pas ceux avec qui on sera, mais il y a un lien, et ce lien perdurera à jamais. Et c'est en même temps qu'une redécouverte pour moi, ça a été un vrai cadeau de Philanthropos. À côté de ça, et comme j'ai déjà commencé à en parler, il y a tout ce qui est de l'ordre de la foi. Pour moi, Philanthropos, ça a été, disons, une vraie saisie, parce que je pense que je le vivais déjà, mais je l'ai vraiment dans ma tête compris, que le Seigneur m'aimait et qu'il voulait quelque chose de bon et de grand pour moi. Et de la même façon, ça s'est incarné dans la fraternité avec les autres, parce qu'on voit qu'il y a un lien avec tous les étudiants de ma promotion et qui, en plus, ensuite va s'étendre avec, disons, tous les anciens d'avant et ceux d'après nous. Et un lien indéfectible qui nous liera pour toujours, particulièrement avec ma promotion pour cette année vécue ensemble et tout le, disons, le pot commun de souvenirs que l'on a, en plus incarné dans la foi. Et en plus de ça, de pouvoir voir que, qu'importe le chemin et d'où viennent chacun des membres de ma promotion, disons, l'amour de Dieu et leur envie d'avancer se traduit de façon différente et finalement il y a un lien commun, mais disons que c'est comme plein de branches et chacun aura sa petite place et une belle place dans le monde. Et si je pourrais dire ce que peut apporter Philanthropos à ceux qui ont envie de vivre cette belle année, c'est que comme il y a, on le dit souvent, trois piliers à Philanthropos, le pilier intellectuel, le pilier, disons, de la vie communautaire, de la vie fraternelle, et le pilier intellectuel, eh bien, chacun, qu'importe ce qu'il viendra chercher, pourra trouver des choses ben, si on a envie d'apprendre et d'approfondir sa vie intellectuelle, de construire son raisonnement, ce sera possible. Et peut-être qu'on sera aussi bousculé ailleurs. Et c'est une année finalement pleine de surprises et dans laquelle il faut oser venir. Et c'est une année qui bouscule beaucoup, mais qui est aussi une opportunité de faire fructuer et fructifier les dons que l'on a reçus, que l'on découvre à Philanthropos encore plus, et qui est une belle année à vivre. N'hésitez pas. Et je vous salue, je vous embrasse pour ceux que je connais, et je me réjouis de vous découvrir à ceux qui peut-être viendront.